du lundi 8 juillet. J'ai regardé tout à l'heure, j'aurais quand même encore m'en souvenir. C'est pas possible. Et coucou d'un début de vlog, je pense. J'ai envie de faire une petite série de vlogs de façon un peu... de façon hebdomadaire, je pense. Là, sur le courant du mois de juillet, avant de prendre une vraie grosse pause de réseaux sociaux, de YouTube, etc. Au mois d'août. Donc, voilà, avant de faire une coupure vraiment... je vais avoir peut-être un petit peu plus de temps, et ben voilà, j'avais envie de revenir en format vlog. Je ne sais pas si c'est judicieux ou pas, mais en tout cas ça me faisait envie, donc je me lance et on verra. Donc là je suis présentement en train d'attendre que mes deux grands soient prêts, car je vais déposer mon fils chez une copine et je vais faire 2-3 courses avec ma grande. On va commencer à regarder un petit peu les affaires de rentrée, puisque elle part en camp la semaine prochaine. Donc il va falloir un petit peu... Puis quand elle rentre, on a vraiment les quelques jours à la maison, et après on repart en vacances. Donc histoire de pas faire les trucs dans le rush, je me dis donc c'est très très sombre. Et oui, c'est le problème du contre-jour. Des fois c'est bien, des fois c'est pas très bien. Alors bon, bref, donc je suis en train d'attendre, j'en entends un dans les escaliers, je suis en train d'attendre les enfants, on va aller faire les courses. Je vous emmène avec, j'ai castonné mon petit début de deuxième chaussette. Les tulipes de Charlotte Stone, et je viens de débuter la deuxième chaussette ce matin. Donc voilà, vous êtes prêts? Et ben alors, donc on va y aller. Je vous dis à tout à l'heure. C'est dur. Vas-y. C'est bien frais.
pour dame de chasse. Ça sent bon, les autres, ton... cette petite crème là, cette petite crème offerte. Offerte? Ouais, offerte quand même. C'est des soit sacs, soit... soit sacs, soit crème, et nous on a eu les deux. Les deux? Oui. Ben c'est le matin. Ça se voit. Bon, j'espère que ça va bien. On est mardi 9 juillet et je viens vous retrouver juste quelques minutes avant de prendre le petit-déj avec les filles pour vous montrer une petite embêtise, comme quoi, hein. Je sais pas si, si je pense que je vous aurais mis des images hier. Hier soir, en fait, quand mon mari a fini sa journée de boulot, il y a du bruit, hein, les enfants sont là. Quand mon mari a fini sa journée de boulot, on est parti se prendre une bonne marche. On a fait une petite marche un peu rapide. Je ne sais pas si ça se sera vu aux images que j'avais un peu de mal. Bon, on a fait, je crois qu'on a fait presque 7 km en un tout petit peu plus d'une heure. Donc c'était quand même un bon rythme. Surtout que ça monte chez nous. Et vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien, cette marche. Mais alors, je suis rentrée, j'étais un peu liquidée. J'étais vraiment fatiguée. Et j'avais quand même envie de tricoter un petit peu le soir venu. Et alors, donc, ça, c'est ma première chaussette tulipe. Ah, je vais plutôt vous la montrer, là, ça sera plus jolie. Et regardez ce que j'ai fait. Donc, hier, je vous avais montré, j'avais commencé la... j'ai castonné la deuxième hier. Vous le voyez, hein? Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié cette petite fanfreluche là. Voilà, j'ai attaqué bille en tête après mes côtes. J'ai attaqué directement le motif de tulipe. Tout ça pour me rendre compte que j'avais oublié de faire ça. Donc là, l'objectif de ce matin, c'est un petit déj en vitesse. Je rattrape ça. Et je pense que j'arrête là parce que aujourd'hui j'ai plutôt envie de tricoter sur mon gilet si possible. Donc voilà. Dommage, j'étais contente de moi, j'avais bien commencé hier soir. Voilà, hein, bah, quand on n'a pas de tête, on a des jambes ou des mains ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Écoutez, je vais aller me faire mes quelques petits rangs là et puis on se retrouve tout à l'heure. She was too aware of Julian, of the heavy weight of his arm around her shoulders, and the way he'd used that arm to sell his lies. She'd been too nervous to argue at the gate, the aisle full of purpose rather than wonder. "You're looking at me as if I've done something wrong," he said. Scarlett knew she shouldn't have been upset. They were nothing to each other, but she despised being deceived. The type to trust only what he saw. The game was different each year, but a few things were rumored to be the same. There was always some sort of treasure hunt involving a supposedly magical object. A crown, a scepter, a ring, a tablet, or a pendant. And the winners from previous years... J'ai encore l'emballage, donc c'était un kit que j'avais acheté à Hobby Lobby aux États-Unis, en bois, avec...
J'espère que vous m'entendrez parce qu'on est dehors et il y a quand même les petits bruits. Bon, les oiseaux, tout ça, ça ne nous dérange pas trop, mais les voitures, des fois, donc on verra. Donc, ça y est, j'ai récupéré, j'ai avancé un petit peu sur ma deuxième chaussette. Mon jacquard est vraiment plus sympa sur la deuxième que sur la première. Donc, c'est chouette. Je pense que j'arrive vraiment plus à me détendre là quand je tricote. Et du coup, là, en les superposant l'une sur l'autre, je vois que la deuxième est déjà même un petit peu plus lâche que la première. Donc, vraiment, tant mieux. Ça veut dire que je commence à trouver un petit peu ma façon de faire correcte, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. La deuxième chose, c'est que donc je vais essayer de faire voilà, forte de ma première expérience et de les trucs qui ont marché, les trucs qui n'ont pas marché. Ce que je vais essayer de faire là pour la deuxième, j'ai vu ce matin le podcast de Éléonore Fil de Nuage, et donc elle tricote vraiment beaucoup 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 de chaussettes de Charlotte Stone. Elle teste pour elle, etc. Donc elle a vraiment l'expérience maintenant, et elle disait que déjà elle ne croisait absolument jamais ses fils. Alors j'avoue que j'ai du mal quand j'ai plus de 7 mailles consécutives de la même couleur à ne pas croiser. Je trouve que ça fait des longs floats derrière, enfin voilà, bref. Et elle disait aussi qu'elle ne faisait pas suivre ses fils tout le long du... Quand on ne se sert pas d'une couleur, faire suivre le fil. Voilà, moi ce que je fais d'habitude, c'est qu'à chaque fois que je commence un rang, là par exemple quand je suis sur le vert, alors je ne coupe pas mon fil rose, je le laisse courir pour qu'il revienne jusqu'ici, mais quand je suis sur le vert, à chaque début de rang, je croise mon fil rose pour que quand même il suive un petit peu. Je fais la même chose quand je fais des rayures par exemple. Désolée pour ce cadrage hasardeux. Hein. Mais j'ai peur que ça se voit beaucoup. Alors il est où mon début de rang? Il est là. J'ai peur que, vu que ça va être un petit peu étiré sur mon pied, j'ai peur que ça se voit mon fil qui suit. Alors je vais essayer là sur la deuxième de ne pas faire suivre le fil pour voir ce que ça donne. Donc là par exemple, on voit que j'ai récupéré le rose ici, et donc voilà, j'ai un fil comme ça, hop, sur le dessus. J'ai fait attention pour qu'il soit quand même assez souple, j'ai laissé un petit peu de mou. Je sais pas, je vais essayer de voir. J'ai quand même, il y a un passage où il y a 9 mailles vertes, enfin du coloris principal, et j'ai quand même à cet endroit-là croisé mon fil. C'est sur c'est quand on tricote les tulipes, enfin la fleur vraiment, pas les feuilles. Donc j'ai quand même croisé à cet endroit-là. On verra. Mais franchement, global, là vraiment, je trouve que la deuxième est... Le jacquard est quand même beaucoup plus régulier que sur la première, donc je pense que je me détends quand même un petit peu. Un autre truc que je vais faire, ça j'en ai... Non, j'en ai pas du tout parlé dans l'épisode de podcast, puisque j'y étais pas encore. J'en ai parlé au tricoté à mes tricopines. J'ai un petit trou au niveau du talon, là, de chaque côté. Ah, là, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais relever une maille supplémentaire quand j'aurai fini mon talon sur la deuxième, pour pallier un petit peu ce truc là. Bon là, celui-là, j'ai encore rien fait, hein. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer les fils et je vais passer là un petit fil vert pour resserrer un peu avant de les laver et de les bloquer. Donc ça devrait quand même s'atténuer un petit peu, mais ça sera plus joli à mon avis avec une maille supplémentaire relevée. Voilà, bon, pour quelqu'un qui avait dit qu'elle tricotait pas sur les chaussettes aujourd'hui, c'est raté. Là, il commence à faire vraiment chaud, donc je pense que le tricot dehors va bientôt prendre fin. C'est pas grave, il fera bon à l'intérieur pour tricoter cet après-midi. On a rendez-vous chez le dentiste pour les enfants tout à l'heure, donc je vais quand même, parce que je pense pas que je vais emmener ça chez le dentiste. Je vais peut-être quand même me monter ma deuxième chaussette de ma petite paire... sans patron là que je me suis fait. Je vous en reparlerai dans la journée. Allez, on se retrouve plus tard.
Toujours besoin de vérifier. Mercredi 10 juillet. C'est le jour des résultats du brevet pour mon grand loulou. Je devrais le savoir quand même. Donc, écoutez, hein, une petite journée où on va un peu attendre. Il y a toujours du bruit derrière. Hein. Qu'est-ce que je viens vous raconter ce matin? Je suis en train de me préparer. On va aller faire quelques courses avec la grande à nouveau. Je suis en train de mettre mes petites boucles d'oreilles que je me suis offert hier. Alors, je ne vois pas ce que je fais. Ah, un rayon de soleil, ça fait plaisir. On a une petite boutique pas trop loin de la maison et avec tout un tas de merveilleux trésors. Hein. Enfin bon, bref, c'est idéal pour toutes circonstances. Et hier, j'y suis passée parce que j'avais un petit complément de cadeau à acheter. Et il venait de rentrer la nouvelle collection de boucles d'oreilles de chez Sweet Things & Co. Et vraiment, c'est une marque que j'aime beaucoup parce que j'ai déjà, je sais pas combien de leurs, enfin de ces bijoux, je crois que c'est une petite nénette toute seule. Mais ah. Qu'est-ce qu'on en pense? J'adore. Donc voilà, je me suis fait un petit plaisir de, je sais pas, de début de vacances. Je sais pas s'il y avait vraiment une occasion. Mais bon, alors je prends un petit coup de café avant qu'il soit froid. Et je viens juste vous montrer ça parce que je vous en ai parlé hier, puis finalement je suis pas revenue. Donc hier après-midi j'ai emmené les trois enfants chez le dentiste. Ensuite il a fallu faire 2-3. Voilà, hier j'ai bossé. Je vous ai dit la grande part en camp la semaine prochaine. Donc hier je lui ai tout nettoyé. Sac de couchage, son matelas que j'ai frotté pour enlever toute la gadoue, la boue qu'il y avait dessus, les chaussures de rando, enfin toutes les fringues. J'ai tout nettoyé hier, frotté, mis à sécher. J'ai profité qu'il faisait 30 degrés. Et aujourd'hui c'est plus du tout la même chose. Mais voilà, hier en tout cas j'ai eu le temps de tout nettoyer et de tout mettre à sécher. Tout est prêt. Donc voilà, il y avait quand même pas mal de choses à faire. Et du coup je ne suis pas revenue discutailler avec vous. Et voilà, je voulais quand même vous montrer ce que j'avais promis de vous montrer. Donc comme d'habitude quand j'enregistre ici, mais c'est vraiment à chaque fois, hein, j'ai oublié que je viens d'allumer le lave-vaisselle, donc ça fait du bruit, et le chat vient manger ses croquettes et donc fait du bruit. Donc voilà. J'ai monté hier, hein, je vous avais dit que je montais ma deuxième chaussette sans patron, petite chaussette, voilà, pas de patron, que j'ai débuté le mois dernier, je crois bien, et j'avais pas trop envie de lancer la deuxième parce que j'avais envie plutôt de faire mes chaussettes tulipes ou mon gilet, enfin bref, et puis finalement, je me suis dit, bon, ce serait quand même bien de ne pas avoir cette chaussette toute seule, d'autant plus que j'avais peur de ne plus me souvenir de comment j'avais fait. Donc j'ai monté la deuxième et voilà ce que j'ai tricoté hier, donc un tout petit peu chez le dentiste. Je vous ai fait une image hier et puis après, bing, elle est déjà venue nous chercher. Qu'est-ce que c'est que ces professionnels de santé qui te prennent à l'heure, hein? À quoi ça sert que je ramène mon tricot, moi, si je n'attends pas dans la salle d'attente? Non, non, franchement, c'était très énervant. C'était frustrant. Donc, j'ai avancé un tout petit peu chez le dentiste. Et puis après, j'ai tricoté le soir devant le match France-Espagne que je ne regardais pas vraiment. Quoique, moi, je me prends assez vite au jeu quand même quand il y a des trucs comme ça. Mais même si ça ne me passionne pas normalement, en temps normal, je me prends assez vite au jeu. Et en tout cas, voilà ce que j'ai avancé hier. Et vous avez été plusieurs sur le podcast à me dire « Ah, mais est-ce que tu pourras faire un tuto, etc. ?» Alors, je pense pas que je vais faire de tuto, déjà parce que je pense que ça me prendrait vraiment beaucoup de temps.
Peut-être que quand je reviendrai en podcast pour vous les présenter, je vous ferai une belle petite explication de comment j'ai fait, puis vous pourriez adapter. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est le nom de ce point. Alors, bien entendu, si j'étais vraiment préparée, je coupe. Alors, c'est le Yarn Over Cable Stitch Pattern et franchement, il y a plein de tutos partout sur internet. C'est un petit point de tricot qui se fait sur 4 rangs. Je ne sais pas sur lequel je vous montre. C'est un petit point de tricot qui se fait sur 4 rangs. En français, ils appellent ça aussi fausse torsade. Je ne sais pas si c'est le terme officiel, mais voilà. Donc, il y a un rang où vous, sur les 3 mailles, vous faites passer une maille glissée au-dessus des deux autres que vous avez tricotées. Le rang suivant, vous tricotez la première, vous faites un jeté, vous tricotez la deuxième. Et ensuite, les deux rangs d'après, vous tricotez les 3 mailles à l'endroit. Enfin, voilà. Donc ça se fait sur 4 rangs, c'est hyper simple. J'ai juste... j'ai fait un petit truc pour que ça marche sur mes 64 mailles que je fais d'habitude pour mes chaussettes en 2,25. Quoi. Donc, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, mais je pense pas que je vais préparer vraiment de tuto. Ce que je me dis, c'est que aujourd'hui, je vais peut-être travailler sur... Ben, si j'y arrive, parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire encore aujourd'hui. Je vais essayer de travailler sur les tiges de mes chaussettes. Ça serait vraiment cool que j'arrive au talon sur les deux. Et voilà, comme ça, une fois que je suis là, je reprends le gilet. Enfin voilà, j'essaye d'alterner. Et le premier truc qui est terminé... Je pense quand même que ça sera les chaussettes. Ah, ça sera clairement pas le gilet, ça c'est sûr. Le premier truc de terminé, je monte mon petit haut en coton lin de chez Fonti. Parce que, ben voilà, hein, c'est un petit haut d'été. Ce serait quand même bien qu'il soit tricoté pendant l'été. Bon, je termine mon petit déj, je pars en ville et ben, je vous emmène avec moi. A plus! I don't listen to you if you don't listen to me in the shop. Je pense que je prendrai des petites perles pour ta sœur aussi. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
pas. Ok, on va les laisser. Tu vois, ça a coulé. Je le savais que j'en avais mis trop. Mais c'est trop beau. Voilà, faut vraiment que tu t'attendes que ça sèche bien. Je pense qu'on devrait faire une deuxième couche sur celle-là. Peut-être, mais ça sera pas maintenant. De toute façon, faut d'abord que ça sèche un petit peu. Ok. Classique. J'ai commencé à m'installer dehors et à enregistrer cette petite section discutaille en attendant que mon vernis sèche. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à pleuvoir. Donc j'ai tout rentré. Je viens de m'installer et grand soleil dehors. Bon, c'est pas grave. Alors oui, j'attends que le vernis sèche. Vous avez vu, on a fait une petite séance vernis. Je filmerai les ongles des filles aussi tout à l'heure. C'est hyper rare, moi, que je mette du vernis, mais vraiment, parce que chez moi, ça ne tient pas. Mais la fille super influençable, une publicité sur Instagram, il y a quelque temps. Tadam ! La marque manucuriste. J'avais jamais testé les vernis de chez eux et le Active Shine. Donc, ce que j'aime bien, c'est que c'est assez discret. Et je pense que ça permettra, même s'il y a des écailles ou quoi, ça permettra de pas trop se voir. Et ça sera facile à réappliquer régulièrement, quoi. Donc, voilà. C'est sûr que le bidule coûte 16 balles, quoi. Mais les filles, je leur ai fait des... Non, ça coûte 16 balles, c'est cher. Les filles, je leur ai fait du vernis, là. Il y avait notamment des petits vernis qu'on avait achetés en supermarché, parce que, enfin voilà, pour des occasions, faire des trucs et tout. Et franchement, c'est infernal à appliquer, pas terrible et tout. Donc bon, voilà, il faut avoir envie de mettre 16€ dans un vernis pour une personne qui ne porte pas de vernis. Ouais, bon, bref, voilà. Hein, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Regardez ce que ma petite bijoutière m'a fabriqué tout à l'heure. Alors, ah bah oui, ça va pas faire le point vu que j'ai ma vieille tête derrière et les ongles. Elle m'a fait un petit... Mais attends, du coup, elle m'a fait un petit colis, un petit bracelet knit. Attends, si, moi je le vois dans le bon sens, donc c'est bon. Je sais pas pourquoi vous l'avez pas dans le bon sens, mais bon, je suis un peu nulle en... Oh bah oui, beaucoup trop jolie. Donc j'attends que mon mari descende et, ou que mes ongles soient secs pour pouvoir me l'accrocher. Ça fait partie des petites perles. Ce matin, quand on était en ville avec la grande, je pense que j'ai dû vous filmer, on verra bien. Je lui ai acheté tout un stock parce qu'elle est vraiment dans une folie bijoux en ce moment chez Sostrengren. Je lui ai acheté tout un stock de petites perles comme ça et les petites lettres. Les petites lettres fluo, trop mignonnettes. Donc voilà. Je sais pas si c'était une bonne idée de faire ça. Oui, alors si, parce que je ne vais pas garder quand même le truc que j'ai enregistré là juste avant, machin. Je venais quand même vous dire. On a eu les résultats du brevet du cran. Et donc, il obtient son brevet haut la main avec en plus une mention très bien. Donc autant vous dire que on est super fiers et que ce soir c'est resto pour fêter ça. Donc voilà. Le dernier truc que je voulais vous dire, parce que bon, j'ai vraiment pas beaucoup progressé. En fait, voilà, on est rentré de nos courses avec la grande. Il a fallu tout ranger, préparer le repas, etc. Et puis, ensuite, on avait les résultats du brevet. Donc, après, on a appelé les papis, les mamies, les copains, tout ça, machin. Savoir ce qu'eux avaient eu comme note. Après, voilà. Et puis après, j'ai fait un peu de rangement. Les ongles des filles. Bim, bam, boum. Nous voilà, il est presque 17h. Vraiment, autant vous dire que je n'ai avancé sur rien. Voilà, je vais juste continuer un petit peu ça, mais je crois que je dois faire 10 répétitions
du petit point là, du yarn over, je ne sais plus comment je vous ai dit qu'il s'appelait tout à l'heure. Voilà, 10 répétitions et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Force est de constater que je n'y suis pas encore. Voilà, c'est la dernière chose que je voulais vous dire, parce que j'ai vu ça moi tout à l'heure sur Instagram et que je pense que je vais continuer à sortir. Enfin, je pense que cette vidéo va sortir dimanche, comme je fais d'habitude pour les podcasts. Je ne sais pas si ça sera encore d'actualité, mais si ça l'est, regardez ce bon plan. Regardez ce joli petit modèle. Qui ressemble un peu dans la construction, enfin voilà, au Darjeeling top que je vous ai montré et que j'ai envie de me tricoter là avec la bohème de chez Fonti que j'ai acheté. Mais vous avez vu ça? Il est free, il est gratuit ce patron. Alors attendez, je vous donne toutes les infos. C'est le Nostalgia Top de Auguste Knit. Je ne sais pas si pour cet épisode j'aurai le temps de mettre des... On verra hein, si j'arrive et si je prends le temps de vous le mettre. Et il est gratuit pour l'instant. La designeuse le met à notre disposition gratuitement. Mais pour une période donnée. Donc, limited time period. A priori, il est qu'en anglais. C'est un modèle qui se tricote. Il est recommandé pour être tricoté avec la Sandnes Garn, la lineux. Donc c'est la laine, je crois que c'est coton, lin, quelque chose comme ça. L'échantillon, c'est un échantillon de 20 mailles sur 24 ans et il se tricote en 4. Alors moi je pense qu'en 4, ça va être vraiment déjaugé ma bohème. Ma bohème, ça me donne envie de chanter. Pour les plus âgés d'entre nous, hein, Charles Aznavour, les plus jeunes se disent « Mais qu'est-ce qu'elle raconte, ma bibiche encore ?» Mais je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bref, donc en 4, j'ai peur que la bohème, elle soit un peu trop déjaugée. J'ai fait mon échantillon en 3,5 et c'était déjà un peu déjaugé, je trouve. Donc, je pense que je vais quand même plutôt rester sur mon idée du... Ouais, je sais pas. J'hésite. Vraiment, j'hésite. Bah, je vais prendre quelques jours pour réfléchir et puis voilà. On verra bien. Hein, puisque je ne montrerai pas ce top tant que je n'aurai pas fini. Oh, mon gilet. au moins une des deux paires de chaussettes sur lesquelles je suis en train de travailler en ce moment. Voilà. Bon, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai le téléphone qui arrête pas de bip-biper là parce qu'on est en train de s'organiser. Bon, donc je vais aller répondre à mes messages. Moi, je vais vous prendre avec moi au resto quand même et puis on se retrouve demain, je pense. Hein, voilà. Ciao! Même sans... Bon, la batterie, c'est pas terrible. Donc, on va essayer de pas faire trop long. Et le lave-vaisselle en route, je sens que ça va être pas très agréable pour vous. On va le faire, on verra bien. Nous sommes jeudi, nous sommes le... 11 juillet, c'est bien ça. Et c'est déjà la fin de matinée, donc petite matinée tranquille après notre sortie au resto hier. C'est très très bien. Ah, c'est très très bien. Alors, c'est une nouvelle adresse qui vient d'ouvrir à Metz, ça s'appelle Gomou. Je pense que, pareil, je vous mettrai les liens en dessous. Donc c'est du burger et c'est du burger dans des pains bao, c'est ça. Donc je ne sais pas quel mix de cuisine c'est, mais c'était très bon. Donc on a pris chacun des menus burger avec leurs frites, soit des frites classiques mais avec des formes rigolotes, soit des frites de patates douces. Et c'était très très bon. Oh, décidément, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. C'était très bon. Les frites étaient vraiment super bonnes.
que ça soit normal ou patate douce. Et les burgers étaient vraiment très très bons. Voilà, on s'est tous régalés, malgré qu'on ait tous pris des trucs différents. Donc ça, c'était vraiment très bien. Bon, par contre, on avait pris aussi des... Enfin, moi, j'avais pris une boisson, une sorte de limonade au litchi, enfin, un truc qu'ils font eux. C'était super bon, vraiment très très bon. Avec un bon petit goût de litchi, pas trop sucré, très bien. Les autres membres de la famille avaient plutôt pris des trucs style Coca, Fanta et tout ça. Donc bon, bah eux, pas de surprise quand même, voilà. Pas très audacieux, ces autres membres de la famille. C'est la boisson, la boisson que j'ai pris, je l'ai pris un peu par, alors je dirais pas par dépit, mais c'était le seul truc qui restait disponible à ce moment-là. Je crois qu'ils font pas mal de bubble tea, de trucs comme ça, et donc a priori le retour qui était noté dessus, genre sur les avis internet, etc., était plutôt bon, mais je n'ai pas pu goûter, donc voilà. Mais moi, la boisson que j'avais prise était très bien. On a pris des desserts, franchement, on aurait pu s'en passer. Les desserts, en revanche, c'était voilà, pas terrible du tout. On a pris parce qu'on voulait se faire plaisir, mais vraiment, ça n'avait pas du tout d'intérêt. Donc voilà. Qu'est-ce que t'as vu, Mimi? Si c'est un lézard, tu le laisses, hein. Oh, attendez, j'enlève le chat du lézard. C'est bon, le lézard n'a rien, le chat n'a rien non plus. Bork. Donc bref, qu'est-ce que je vous disais? Donc oui, bah du coup, très bien. La dernière chose que je voulais dire, en revanche, c'est que... bon, alors nous, on est 5. Et c'est vrai que quand on va manger dans les restos... Alors, si c'est un resto classique et qu'on a réservé et que machin, pas de souci. En revanche, ce genre de resto où on arrive, il n'y a pas de réservation, en fait. C'est un fast-food, hein, en réalité, donc voilà. Voilà, on n'a pas souvent de la place facilement. Je parle pas des grandes chaînes style, je sais pas, Burger King ou McDo ou quoi, dans lesquelles on mange vraiment très très rarement. Mais en tout cas, bon, voilà. Par contre, les plus petits trucs comme ça, c'est vrai que c'est un peu galère. Donc, si vous venez à beaucoup, c'est pas terrible. Et surtout, si vous venez à beaucoup, donc il y a le rez-de-chaussée et il y a une salle à l'étage. La salle à l'étage est quand même vachement plus sympa, plus rigolote et tout ça. J'ai pas pu trop filmer parce qu'il y avait du monde, donc je ne pouvais pas filmer les gens, ça aurait été un peu voilà, bizarre. Et puis j'ai regardé un peu les images que j'ai fait, bah, on voit que j'ai essayé de cadrer parce qu'il y avait du monde et que je voulais pas embêter les gens, donc je sais pas trop ce que ça aura rendu. Bref, donc si vous venez à 2-3, à mon avis, sans problème, et c'est sympa, vous pouvez manger à l'étage. Par contre, quand vous débarquez à une famille de 5, c'est un peu plus embêtant. Voilà. Donc en gros, venez prendre à emporter, puis mangez chez vous, c'est bien. Bref, donc tout ça pour dire que là ce matin, je viens de m'installer, je pense que je vais commencer à importer les vidéos là depuis le début de semaine pour ne pas être pris au dépourvu et devoir tout faire. Peut-être samedi, ce qui va vraiment pas être idéal parce que samedi on a une bonne petite journée. Donc bon, bah écoutez, on verra ce que j'arrive à faire. Et surtout, je me suis rendu compte, hier ou avant-hier, en voulant mettre des photos, j'ai fini, vous savez, là il y a quelques temps, mon châle, mon Jump for Joy de NCL Knits. Et donc j'ai voulu mettre des photos sur mon compte Ravelry. Et en fait, je me suis rendu compte que mon Ravelry n'est plus du tout à jour. Il y a plein de trucs que j'ai pas rentré, pas renseigné, pas de photos. Notamment, je sais que ça, c'est pas en photo. Ça, c'est pas en photo. Ça, c'est... Il y a même pas de fiche dessus. Donc, voilà. Donc, je pense que j'aimerais bien aujourd'hui essayer en parallèle, voilà, de mettre mon Ravelry à jour. Parce que, bah, du coup, c'est quand même toujours pratique. C'est vrai que... Quand je fais les podcasts, c'est quand même bien de mettre un lien où vous avez toutes les infos. Parce que je sais que même si je note les trucs, il y a quand même toujours des gens qui vont venir me demander « Ah mais c'est quelle laine, c'est quel truc ?» Si je peux renvoyer vers la fiche Ravelry et que la fiche Ravelry est à jour, c'est quand même un gain de temps pour moi. Voilà. Je pense que c'est tout. J'ai mon grand à emmener chez son copain là pour cet après-midi. Donc ça sera mon petit... Bon, mais voilà, les petits trucs que j'ai à faire hors tricot, hors vie de la maison. Et en fin de journée, on retrouve d'autres amis. On a un festival de théâtre de rue, etc. qui s'appelle le festival Hop Hop Hop.
qui a lieu depuis plusieurs années à Metz et environ. Et donc là, il y a des spectacles ce soir dans un village où on a des copains. Donc voilà, donc on va avec les filles faire ça ce soir. Je vous emmène avec moi, bien entendu, hein, bien entendu. Bon, allez, hop, je quitte ici. Si je vous montre quand même ma petite chaussette, hop, j'ai terminé ma tige hier et j'ai terminé le dos du talon. Faut que je fasse mon petit talonné, peut-être pendant que ça exporte, j'en sais rien, je vais voir. Mon petit talonné et après que je rejoigne en rond. Et vous avez été plusieurs, parce que j'avais mis une photo la mardi quand j'étais chez le dentiste, j'avais mis une photo de mon petit début. Et vous avez été plusieurs à me dire « Oh, t'as commencé la deuxième !» Vous avez vu comme je suis raisonnable. Ah, tout va bien, c'est un jouet qui est tombé à l'étage. Donc vous avez vu comme je suis raisonnable. Voilà, comme ça, je ne laisse pas, je n'ai pas de syndrome de la deuxième chaussette. C'est rare hein, que je complète pas une paire de chaussettes dans la foulée. Voilà, mais là j'avais plus envie de tricoter sur les chaussettes jacquard. Et puis je me dis, bon, il faut tout avancer pour ne pas... En fait, le seul souci, c'est que ça, c'est pas un truc que j'ai écrit, c'est pas un patron que j'ai quelque part à l'écrit, c'est un truc que j'ai fait moi. Si je le fais pas maintenant, je risque d'avoir des chaussettes un peu pareil, pas pareil. Et moi, j'aime pas trop ça. J'aime bien quand c'est un peu pareil. Voilà! Allez, je vous laisse là, je vais... mettre à jour mon Ravelry. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Mimi? Viens voir. Qu'est-ce qu'elle t'a mis, ta petite maîtresse, autour du cou, là? Montre-moi. Mais elle t'a fait un collier avec une médaille. T'es contente de ton beau collier? Ou tu t'en fiches? Oh, mon pauvre petit chat. Ma pauvre petite chatounette. Oh! Ah, ça va, ça sert pas. C'est un collier bien large. Bye boss. Papa Willis. C'est qu'il y a un autre surnom.
Ça sera plus facile de tenir juste la chaîne. Ça va. Bon, alors attends, c'est ton vélo qui tourne. Parce que je la suivais déjà. Et ah, tu l'as suivi. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Juste glisser si tu veux. Et ça te n'arrive pas. Avec cette laine, je change. C'est un autre. Tiens ça. Ah oui. C'est trop court, ça. Chiante. Ça. Ça, oui. Ok. Peut-être qu'ils sont dans le carton en arrière. Le carton. Là, c'est là qu'on met tous les graines. Ah, regarde, je ne sais pas. Hein. Mais là, oui, c'est du coup pour à la fin. Je range deux en même temps. Tu prends une comme ça. Là où on avait fait les gagnés, c'est je travaille comme ça. Ah, la portugaise. Oui, hybride. Je suis portugaise. Et tu vois. Je file que les mains, mais je trouve ça génial de voir toutes les techniques qui existent. Ah oui, il y a 50. Ah ouais.
petit tissu Pierre Lapin. Oh, c'est trop beau. Mais j'en ai, j'avais acheté la dernière fois et que je n'ai toujours pas pu vu. Donc voilà. Et comme je ne vais pas apprendre à faire les sacs à projet cousu. Je pense que ça devrait aller. Coucou du samedi. Oh zut, j'ai un petit chat dans la gorge. J'espère que ça va aller. Coucou du samedi 13 juillet. Et je viens faire un petit... face caméra parce que je crois bien que sur les deux derniers jours je suis pas trop venue vous raconter des choses et du coup il est temps de faire un point pour savoir ce qui s'est passé. Je tousse, normalement ça devrait aller mieux, j'espère. Donc samedi 13, et oui il est temps que je revienne vous faire un petit point sur la situation de la semaine, savoir ce qui s'est passé, parce que sinon vous allez avoir eu plein d'images avant, je pense, parce que je crois que j'ai pas trop mal filmé ces derniers jours, mais vous n'allez rien comprendre. On s'est quitté jeudi et nous allions voir les spectacles du festival Hop Hop Hop. Donc je pense que là aussi je vous aurais fait quelques petites images. J'ai encore rien commencé de montage, ça craint du boudin, mais bon, c'est comme ça. Donc nous étions dans une commune alentour près de chez nous, nous avons assisté à deux spectacles qui étaient très sympathiques. Un premier spectacle qui était plutôt un spectacle musical. Enfin, voilà, donc c'était quatre musiciens, mais avec des petites scénettes rigolotes et tout ça. Donc des musiciens clowns, c'est trop bien. Donc c'était chouette, il y avait de la bonne musique, c'était rigolo. Donc voilà, ça c'était vraiment chouette. Et je vais arrêter de dire chouette. Et le deuxième spectacle, là c'était deux Français. Je vous ai dit que les autres c'était des Italiens, les musiciens. Donc là c'était deux Français qui faisaient spectacle alors avec un petit peu d'acrobatie entre guillemets et puis des petites scénettes rigolotes. C'était ultra drôle, c'était vraiment vraiment chouette. Ils ont joué pendant, j'ai encore dit chouette, ils ont joué pendant plus d'une heure et vraiment on a beaucoup rigolé à certains moments. Un très très bon moment. La compagnie, je crois que c'est la compagnie Caillasse, il me semble. La petite leur a... On vous savez, à la fin, on peut donner des sous. Voilà, déposer des sous un petit peu pour remercier les acteurs. Enfin bon, bref, voilà. Et la petite, elle a récupéré en échange un poster. Donc, je vérifierai bien que c'est leur nom. Et si d'ailleurs c'est leur nom, peut-être que je le mettrai. Ouah, je m'avance peut-être un peu en me disant que je vais. En disant que je vais vous mettre des liens vers des trucs. Bref, dans tous les cas, c'était vraiment un très très bon moment. Ensuite, on est resté, on a mangé là-bas. On avait plusieurs copains qui étaient là-bas. Donc on a mangé là-bas. On a discuté. Les enfants ont danser pour les petites, discuter pour les plus grands, enfin voilà, je crois que tout le monde a passé un plutôt bon moment. Donc expérience très sympathique. Ensuite hier, nous sommes partis avec mon mari et la grande. Alors mon mari partait travailler, hein, voilà, comme tous les jours. Et avec la grande, nous sommes allés passer la journée à Luxembourg. On a profité de son aller-retour pour aller faire deux choses. La première, pour moi, aller participer à une rencontre organisée par l'association Mamie et Moi. Alors l'association Mamie et Moi, c'est une association des arts du fil, tricot, hein, on va dire, qui existe sur Luxembourg depuis 10 ans.
Et ils font ce que nous on fait aussi à Metz, mais nous sans être en association. Ils font des rencontres tricot. Et chez eux, les rencontres tricot sont tout au long de l'année dans les différents musées de la ville de Luxembourg. Alors, je ne sais pas si c'est dans tous les musées, mais voilà, dans plusieurs musées différents. C'est le vendredi matin, donc c'est vrai que moi, pendant l'année scolaire, c'est impossible d'aller aux rencontres. Mais là, ça tombait bien, puisqu'il y en avait, c'était la dernière, puisque le Luxembourg n'est pas encore en vacances, mais que la France l'était déjà, enfin voilà. Donc j'ai pu participer à leur dernière rencontre pour l'année 2023-2024 au musée qui s'appelle la Villa Vauban à Luxembourg, ville. Et du coup c'était vraiment hyper sympa. Déjà parce que le lieu en lui-même était vraiment chouette, je ne connaissais pas du tout. On a d'abord tricoté, donc la grande était avec moi, elle a pu aller faire les expositions pendant que je tricotais. Ensuite, elle est revenue avec moi, pendant que je crochetais, je vous en parle juste après. Elle est revenue après avec moi et elle a tricoté un petit peu parce qu'ils ramènent tout un tas de matériel. Alors ça, c'est la différence par rapport à nous. Nous, quand on fait nos rencontres, nos tricotés, on ne fournit pas de matériel et on ne donne pas vraiment de cours, là non plus, mais disons que les personnes qui sont là vont vous montrer comment faire pour tricoter. Je vous avouerai que si nous, on avait quelqu'un qui arrive au tricoter en disant « Ouais, j'adorerais apprendre et tout ça », je suis persuadée que les unes les autres, on prendrait un petit peu de temps pour montrer comment ça marche. Mais une fois de plus, c'est pas le but de nos rencontres à nous. Or là, le but de leur rencontre à eux, c'est effectivement se faire rencontrer des personnes qui tricotent ou crochettent déjà, mais d'également accueillir les débutants pour leur apprendre à tricoter. Donc voilà là où ça diffère un petit peu nos rencontres aussi. Donc c'était chouette, il y a une dame qui l'a un peu pris sous son aile. Alors ma grande, elle sait tricoter, je lui avais déjà montré, enfin c'est faux, c'est ma copine Julie, c'est ma Julie chérie qui lui a montré comment tricoter justement lors d'un tricoté à Metz. Donc elle savait comment faire et puis la dame lui a montré un petit peu des petits points qu'elle pouvait faire, elle lui a montré comment faire des jetés, enfin voilà ce genre de choses. Donc très bon moment, quand on a fini ça, on est allé refaire pour elle et faire pour moi les expositions permanentes et temporaires de la Villa Vauban. Donc pareil, je vous aurais mis quelques petites images. C'est vraiment un joli petit musée et en plus, il y avait personne, quoi. Donc on était vraiment extrêmement, extrêmement tranquille. C'était hyper sympa. Voilà. Je dois quand même encore vous parler de 2-3 trucs. En fait, je suis montée au Luxembourg pour tricoter avec l'association Mamie et moi, mais plutôt pour crocheter avec l'association parce que ils sont engagés là dans un projet. Je crois qu'au mois d'octobre, il y a un lieu à Esch-sur-Alzette, hein, pour les personnes qui sont dans mon coin, donc c'est au Luxembourg, hein, je pense que vous connaissez. À Esch, il y a un lieu qui s'appelle la Culture Fabrique. De ce que j'en sais, c'est des anciens abattoirs qui ont été réhabilités en lieu de spectacles, concerts, ciné, enfin voilà, plein d'expos, plein de trucs, un lieu culturel. Je trouve que c'est toujours chouette quand on récupère comme ça des lieux qui ont été un peu abandonnés, mais qui sont chargés d'histoire ou enfin voilà, ça me fait penser au Nitat Motoko qui se déroule dans une partie des anciens ateliers DMC, des anciennes usines DMC. Bon ben voilà, donc là c'est un lieu comme ça en tout cas. La Culture Fabrique, ils vont organiser un événement autour du thème du vintage. Je ne sais pas exactement quelle forme ça prendra, j'ai pas été regarder plus en avant s'il y avait déjà des explications et tout ça. C'est un événement qui aura lieu en octobre, je n'ai pas encore les dates, mais je pense que je vous en reparlerai à ce moment-là. Et donc l'association Mamie et moi
va être a été sollicité pour faire l'habillage. Si j'ai bien compris, il y a des colonnes, des vieilles colonnes un peu industrielles et tout ça dans la salle où ça va se dérouler. Et donc l'association a été contactée pour réaliser l'habillage de ces colonnes en façon un peu yarn bombing. Et l'idée qui a été retenue, c'est donc des carrés, des granny squares dans des couleurs totalement années 70. Je pense que vous aurez vu dans les images, moi j'ai fait un granny pareil, hein, il est pas mal, tout en bordeaux, orange, enfin que des couleurs improbables. Mais je trouvais que ça rendait vachement bien au final, bon bref. Voilà, donc ils demandent aux gens de leur crocheter des granny squares, format 10 sur 10, et de leur faire parvenir, donc j'imagine... jusqu'au mois de septembre, quoi, parce qu'après il faut encore qu'ils les assemblent, qu'ils les mettent en place, etc. Bon, ça, à voir avec eux jusqu'à quand ils acceptent les granits pour ceux qui sont dans le coin. Moi je sais que la sauce, maintenant qu'ils ne font plus leurs rencontres, puisque pendant la période estivale ils font plus les rencontres au musée, mais, ou presque, mais un autre type de rencontre qu'ils appellent les tricots sur l'herbe. On voit que c'est une assos qui a de la bouteille et des moyens, hein, parce que franchement, des belles petites plaquettes comme ça, je trouve que c'est absolument génial. Donc, ils vont organiser ces petites rencontres les lundis de 15h à 17h, et vous avez toutes les dates qui sont ici. Voilà, toutes les dates des rencontres sont là. Moi, je pense que je vais essayer de retourner à une rencontre probablement au mois d'août, début fin août, je ne sais pas encore, on verra. Ça se passe dans les jardins de la Villa Vauban, là où nous étions. Je vous ai fait 2-3 petites images, vraiment très très jolies. Et qu'est-ce qu'ils disent? Donc, quel que soit votre âge, langue, oui parce que c'est le Luxembourg, tout le monde parle des langues différentes, c'est ça qui est vraiment chouette. Mamie et moi vous invitent dans les jardins de la Villa Vauban pour un moment d'échange, de convivialité et de partage de savoir-faire. Vous pourrez tricoter vos projets personnels dans un cadre bucolique, ça c'est vrai, c'est très très beau, ou participer à la transformation de notre cœur géant en ex-voto. Ça, j'ai pas vu, mais peut-être si vous pouvez aller sur leur compte Instagram, je pense qu'il doit y avoir, des images de ce fameux petit cœur. Voilà, donc c'est totalement gratuit et je vais essayer d'y retourner en août en ayant préparé quelques carrés en plus à rajouter. Ah, j'ai le nez qui gratte et j'ai envie d'éternuer, ça ne va pas. Bon, ensuite on a profité de notre petite journée à Luxembourg avec la grande pour aller faire 2-3 petites courses. C'était hyper sympa, c'était bien d'être que toutes les deux là, vraiment, vraiment très très sympa. Entre autres choses, nous sommes d'abord passés à la FNAC de Luxembourg. Et à la FNAC de Luxembourg, très souvent, il y a cette petite opération là, 2 livres achetés, 1 livre offert sur les paperbacks, les livres de poche, mais version anglaise quoi. Et celui-ci, ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. Alors, je vais enlever les moches autocollants hein, quand j'aurai un petit peu de temps. Mais voilà, celui-ci, ça fait très longtemps que j'avais envie de le lire. Je me suis dit, super. Et donc après, il me restait à choisir un deuxième bouquin. Il y en avait plein qui me faisaient envie. Hein, donc, deuxième bouquin de cette série 2 plus 1 gratuit. Donc, j'ai porté mon choix sur celui-ci. Yellow Face de R.F. Kuang, ouais, Rebecca F. Kuang. J'ai encore rien lu et puis je pense que c'est pas le moment. Je vois que je parle déjà depuis un bon petit moment, donc ce que je ferai, c'est que la semaine prochaine, dans le vlog de la semaine prochaine, on parlera un petit peu lecture. Mais voilà, donc j'ai craqué pour celui-ci dont j'avais entendu plutôt beaucoup de bien. Donc voilà. Et puis pour compléter la petite offre, j'ai pris le 5e tome de la série de Holly Black, la série du Cruel Prince. Mais, non pas que je me sois rendu compte, je le savais d'avant. Je n'ai pas lu le 4, le Stolen Hair. Et je ne l'ai pas d'ailleurs dans ma collection.
Donc, soit je le prends et je le lis sur le Kindle dans ces prochains jours, soit, il ne faisait pas partie des offres en promo, soit je le prendrai à un autre moment et il attendra. Voilà. C'était le petit livre gratuit qui fait du bien. Bref, bon, ça vaut le coup, quoi. Une vingtaine d'euros et je repars avec 3 livres, c'est très bien. On est juste après passé dans une autre librairie qui, d'après moi, est plutôt récente au Luxembourg. Je crois que... Enfin, moi, je ne l'avais jamais vue. L'Alinéa, je crois. Donc, du coup, je n'ai rien acheté puisque je venais d'acheter à la FNAC tous ces petits bouquins. Bon, c'est pas très, très grave. On a craqué avec la grande sur... elle sur des pins, des autocollants. Et moi, je me suis pris aussi 2 petits autocollants pour mettre dans ma pochette. J'ai une petite pochette transparente pour le Kindle. Et du coup, j'aime bien mettre des petits autocollants. Donc celui-ci, Book Lover, et celui-là sur les différentes tropes qu'on peut retrouver dans les livres de fantasy ou de romance. Mais dis donc, vas-tu faire le point ? Oui ! Voilà. Donc, c'était assez rigolo. Là-dedans, je sais pas quel est mon trope préféré. Peut-être le forced proximity. Moi, mon préféré, c'est Enemies to Lovers, bien entendu. Alors, ça, c'était pour les petits achats machin. Et je vais mettre ça en silencieux, pardon. Et puis ensuite, on avait quand même objectif de faire 2 boutiques de laine. Enfin, on avait pour objectif. J'avais pour objectif, et la grande avait dit qu'elle n'était pas contre. Quoique, il y en a un, mais elle voulait y aller parce qu'elle s'est acheté des tissus. Ah, je vous en reparle après, je fais les choses vraiment dans n'importe quel ordre. Donc, le premier magasin où nous sommes allés, c'est le... Alors là, par contre, je ne sais pas comment ça se dit, Vol Boutique. J'imagine, c'est du luxembourgeois. Donc, petite boutique de laine dont je ne vous aurais fait aucune image, à part l'image de la devanture. dont mes copines du tricoté m'avaient déjà parlé. Elle vend principalement de la régia et de la langue. Je n'ai pas filmé parce que j'ai une de mes amies qui m'avait du tricoté qui m'avait dit qu'elle s'était fait vilipender, qu'elle s'était fait un petit peu engueuler une fois où elle y était, puis où elle avait pris des photos. Donc j'ai même pas trop osé demander. La boutique est assez petite, la dame était toute seule, elle ne nous a pas adressé la parole. Voilà, hein. Donc je sais pas, je sais que c'est toujours un peu problématique, enfin c'est pas un peu, et c'est pas toujours vrai hein, d'ailleurs, mais je sais que des fois les Luxembourgeois aiment pas trop les Français, ça peut arriver, bon c'est comme ça, hein, pour tout un tas de raisons, et bah moi je parle pas du tout luxembourgeois, donc c'est vrai que quand je rentre quelque part je dis bonjour, et peut-être que voilà, je sais pas, c'est peut-être pas du tout ça, peut-être que... Voilà, c'est pas grave en tout cas, mais ceci dit c'est vrai que... on se sent pas forcément... Je me suis pas sentie accueillie merveilleusement bien comme dans d'autres boutiques par moment. Bref, c'est pas très très grave. Ceci dit donc, heureusement que j'ai mis sur silencieux, vous entendez encore vibrer, c'est pas possible. Donc ceci dit, je n'ai rien trouvé, vraiment. Voilà, je regardais plutôt la laine à chaussettes et il n'y a rien qui m'a vraiment vraiment tapé dans l'œil. Donc... Vous n'aviez plus de batterie, donc je suis allée faire une petite pause. Donc on n'est plus du tout positionné pareil, ça sera mieux comme ça. J'ai donc profité de cette interruption pour me faire une petite pause goûter parce que j'étais affamée. En fait, je ne sais pas du tout si je vais réussir à sortir cet épisode-là pour dimanche. C'est ce que j'avais prévu, je m'étais dit je fais dimanche... chaque dimanche un petit summer vlog jusqu'au mois d'août, comme ça après je prends le mois d'août de repos on va dire. Et puis finalement là aujourd'hui j'ai profité que les enfants n'étaient pas là, tous à droite à gauche etc. pour me lancer dans un ménage de leur salle de bain, mais un ménage vraiment de fond en comble. Et autant vous dire que ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Et que du coup, je tourne ces petites images un peu tard. Et que du coup, je vais
ensuite me mettre au montage tardivement aussi, donc je suis pas tout à fait sûre que j'arriverai à sortir ça pour dimanche, on verra. Je vous disais donc que dans la petite boutique boutique à Luxembourg, il n'y a pas grand chose qui a retenu mon attention en matière de laine à chaussettes. Voilà, j'ai rien vu vraiment qui m'a tapé dans l'œil, etc. Donc tant pis. Le seul truc vraiment qui m'a tapé dans l'œil, la cétacerie, qui est donc la suri alpaga de chez Lana Grossa, donc que j'avais jamais vue et mais j'ai totalement craqué sur deux coloris qui étaient un rose fluo et un jaune vert anis, enfin voilà, un peu fluo aussi, enfin néon en tout cas, mais qui je trouvais s'accordaient très très bien ensemble, donc bien dommage que je n'ai pas pu vous faire des images parce que... Puis même pour moi, ça m'aurait permis de garder en tête ces coloris. Des pelotes de suri, je ne savais pas, j'avais pas forcément d'idée en tête, je savais pas forcément ce que je pouvais faire avec. Donc j'ai pas craqué, mais j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Je vais peut-être y repenser là dans les jours qui viennent. Et si je trouve quelque chose de satisfaisant, de sympa et tout ça... Peut-être je retournerai à la boutique pour craquer. On verra ça. Donc voilà, au final, on n'a rien acheté dans cette boutique-là. Et en revanche, nous sommes allés chez Bastelkist, qui est donc la boutique dans laquelle je me rends à chaque fois que je vais à Luxembourg parce que y a pas mal de laine. Alors, toujours des laines plutôt industrielles, mais voilà, il y a donc de la langue aussi. Regia, ils ont de la Rowan, ils ont Oh, la marque japonaise, c'est pas possible. Tout le monde a trouvé, hein, bien entendu. Et moi, quand je vais être au montage, je vais retrouver aussi la Noro. Voilà, ça y est. Donc, ils ont vraiment pas mal de choses différentes. Mais moi je sais que j'aime bien y aller, notamment pour les laines à chaussettes, hein. Voilà, donc, et là on y allait, donc je vous rappelle, j'étais accompagnée de ma grande qui définitivement est extrêmement créative, et il y a une série qu'elle aime bien, je vais pas trop vous dire ce que c'est, tiens d'ailleurs, parce que je voudrais voir si certaines d'entre vous connaissent. Je sais qu'il y a quelques petits geeks parmi nous, donc une fois de plus, comme j'avais fait la dernière fois quand elle avait fait son superbe sceptre de Cardcaptor Sakura, j'avais filmé les différents moments où elle travaillait dessus. Là je pense que je vais faire la même chose pour le truc qu'elle est en train de préparer et pour lequel elle avait besoin de tissu, puisqu'elle a décidé de faire une petite peluche d'un personnage qu'elle aime bien d'une série. En fait, elle avait regardé sur les internets, hein, et le truc coûte un bras, un rein, ce qu'on veut. Donc elle s'est dit, en fait, je ne peux pas mettre cette somme-là, donc je vais m'en faire un. Et elle a fait son petit patron toute seule, elle m'a fait la liste de ce dont elle avait besoin, et donc c'est pour ça qu'on allait aussi chez Bastelkist pour regarder les tissus. Au final, elle n'a pas pris de tissu à proprement parler, elle a pris de la feutrine, mais vous savez, cette feutrine toute molle là, toute molle, je ne sais pas comment dire, qui se travaille justement un petit peu plus facilement, donc je pense que ça peut peut-être être pas mal pour ce qu'elle veut faire. Voilà, donc on y allait pour elle pour ça, et puis moi, comme d'habitude, j'ai traîné du côté des laines à chaussettes. Je vous ai fait une petite story sur Instagram pour vous dire qu'est-ce que je prends, et mais tout le monde m'a dit « Prends une de chaque !» C'était un mur, hein, je vous ai envoyé un mur de laine. Tout le monde voulait que je prenne donc 450 échevaux. Enfin, 450 pelotes. Non mais vraiment. Donc j'ai été beaucoup plus raisonnable que ça. J'ai pris une pelote. En fait, du coup, j'ai demandé à ma grande s'il y avait un coloris qui lui plaisait, parce que je trouve ça... Bon, j'aime bien tricoter pour les membres de ma famille et je trouve ça sympa de se dire ça nous fera un petit souvenir. C'est la laine à chaussettes qu'on a achetée quand on était toutes les deux, quand on avait passé la journée toutes les deux à Luxembourg, tout ça, machin. Donc voilà ce qu'elle a choisi. De la Regia, Fourply, la qualité, je pense que c'est The Two of Us. Et le coloris, c'est le coloris 30-14.
Alors, on a une petite image de ce que ça doit rendre, mais pas dans le même coloris. Donc, voilà. C'est des laines, elles sont rigolotes, elles font des petits motifs presque jacquard, mais sans en être, quoi. Voilà, et moi, je lui ai pris ça pour aller avec, pour faire les contrastants. Donc, une pelote de Javol de chez Langarde, un classique. Le coloris, c'est le coloris 266. Voilà, donc ce que je risque de lui monter là dans pas très très longtemps. J'ai également pris une paire de mini circulaires en 3,25, mais des mini circulaires de 30 cm. J'espère quand même que ça va être assez grand. J'ai hésité entre les 40 et les 30. Bon, bah j'espère que ça sera assez grand, puisque moi j'en ai pour tricoter les chaussettes. Et hein, mes chaussettes en jacquard, mais du coup c'est des 23 cm. Alors ça sera clairement trop petit pour faire les manches de mon usui que je vais vous montrer juste après. Mais là du coup en regardant je me dis 30 cm c'est pas énorme non plus. Mais bon, bref, donc voilà, chez Adi. Et ce que j'ai pris d'autre c'est ce petit accessoire. Alors c'est un petit doigtier, vous avez vu, pour faire passer les fils, notamment, enfin là, moi je voudrais m'en servir là pour le jacquard. Je ne sais pas si on peut s'en servir, bon, vous remarquez, on peut s'en servir même avec un seul fil si on veut, mais je voudrais m'en servir pour le jacquard. J'ai vu ce petit instrument là chez Eleonore, fil de nuage, et du coup je me suis dit que j'aimerais bien essayer, parce que moi je tiens dans mes fils du même côté. Donc peut-être que ça sera plus facile comme ça. Donc c'est chez Clover. Ça coûtait vraiment 3 francs 6 sous. J'essayerai ça et puis je vous dirai ce que j'en pense, comment ça marche pour moi, etc. Et que ce que je voulais vous dire d'autre. Non, bah, je crois que c'est tout. Donc on en reparlera la semaine prochaine et puis on verra si ça peut être un truc... qui m'est utile ou pas. Donc la dernière des choses dont je voulais vous parler, donc c'est pas un achat, je voulais vous montrer celui que nous n'avons pas du tout vu cette semaine, parce que franchement j'ai très peu tricoté dessus. C'est le usui qui continue son petit bonhomme de chemin, hein, mais voilà. Je me suis mis un petit progress keeper parce que... c'est marrant ça. Un petit progress keeper parce que comme je me vois pas avancer, voilà, je le mets au début de mes séances de tricot pour justement voir ce que j'arrive à faire. Donc là je vais le bouger pour la prochaine fois. Mais en fait en 3,25, c'est long. Hein, 3,25 en aller-retour, c'est un petit peu long. Bon, c'est pas grave, hein, mais voilà. Et c'est marrant, je disais, parce que je trouve qu'on devine un changement de pelote. Où est-ce que j'ai changé la pelote? J'ai changé ici. Alors, peut-être qu'on verra mieux là. Donc je l'ai changé à ce niveau-là. Et en fait, là, je trouve qu'on le... Ah, j'avais l'impression qu'on le voyait. Bon, alors, en toute honnêteté, à l'œil nu, on ne le voit pas du tout. Hein. Enfin, hein, franchement, très très peu. Vraiment très très peu. Mais là, en vous le montrant, je me dis, oh, on voit le changement de pelote. Ouais, on voit quand même que c'est légèrement plus clair ici. Mais vraiment, hein, une fois de plus, à l'œil nu, c'est imperceptible. Parce que là, je serais tentée de dire que c'est là, mais c'est pas là que j'ai changé ma pelote. Donc, comme quoi. Bon, donc, comme d'habitude, hein, souvent les contrastes se voient mieux à la caméra qu'en vrai. Parce que justement, je trouvais que ce travail de teinture, là, de chez l'atelier teinture, était assez incroyable, quoi. Donc, voilà, celui qui avance moins rapidement que ce que j'espérais, mais bon, qui avance tout le bon an, mal an. Et donc, voilà, je viens de bouger mon progress keeper, comme ça, on pourra voir un petit peu la semaine prochaine ce qu'il en est. Je pense que je vous ai raconté, je regarde autour de moi, mais ouais, je pense que je vous ai raconté beaucoup de choses. Donc je fais une petite pause, je vais essayer d'aller monter cet épisode, on va voir si je m'en sors. Et donc, si je m'en sors, il sera disponible demain.
Et sinon, je grouperai 2 semaines et il sera disponible dimanche prochain. Ça va être le... Vraiment là, ça va être, je ne sais pas, la surprise pour vous comme pour moi. Voilà. En attendant, quoi qu'il arrive, je vous dis à tout bientôt. Je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous. À la prochaine!